Alors nous voilà, on est où déjà? Bactapour. Bactapour. Sur la route pour le trek de Nagargoth avec un pote canadien, Jean-François. Un pote de débauche. Un pote qui n'atterrira pas du vin qu'en Autriche. Voilà. Et là donc on essaie de trouver la... l'arrêt de bus, c'est ça? Ouais. L'arrêt de bus pour le prochain bus pour Nagargoth. Et voilà. Et après commencer le trek jusqu'à Doulikel. Nous voilà à la station de bus de Bactapour. En gros, ça ressemble à ça. Des chanderies. Donc voilà, donc on va chauffer un bus et on va y aller. On va y aller vite d'ailleurs. Restez. Sur une colline comme des connards, on se retrouve en pleine nuit au milieu de nulle part à pas savoir où est l'hôtel. C'est quoi leur délire là? Ça doit être ça. Voilà où on dort. Et voilà la vue qu'on a le matin. Là, c'est, on entend la vague arriver, quoi. On la voit, la pluie tomber, là, ça vient rien. On voit les cheveux d'eau. Bonjour. Check au plus bas que tu peux. Tu vois, là? Tu vois carrément la chute d'eau. Ah ouais! C'est une chute d'eau. Ça en vient. On oh. Est là. Oh la vache! Ça y est. Bonne pluie de mousson! Oh, ça y est, ma première mousson en vie! Ah ouais, c'est la deuxième mousson de ma vie là! Enfin, là, c'est un retour de mousson! Même quand on voit rien, on est dans le nuage. On est dans le nuage. Ouais. Dans le nuage de flotte.
parce qu'on on l'entendait même, puis on le voyait venir. Oh la vache! Alors ça y est, nous voilà partis pour le trek. Direction Doolittle, ça fait... On est resté deux jours ici. Et là on est parti pour 7 heures de marche. On va commencer par un peu de jungle apparemment. Et après on attaque les petites montagnes, les petits cols. On en a pour la journée. Ouais. On présente l'Himalaya. La hauteur là. Oh la vache. Avec la vallée, c'est débile. C'est un truc de fou. On sait rien où on est. On est sur le trek. On est sur le trek quoi. Mais... Ouh, j'en sais rien du tout. Ah, ça nous fait un bon entraînement pour la Annapurna. Pour passer le col à plus de 5400 mètres ouais. Là. Cette journée-là, ça doit être assez vite. Ouais, c'est clair. Bon, ça arrive déjà en shape. C'est pas le premier. Hein. Ouais, voilà, c'est pas le premier jour. Je suis pas trop fatigué, j'en ai là. Ça vient vite. C'est à droite, j'ai une question. Ouais, c'est à droite. On va prendre à droite. Bon, bah, on prend à droite. Ouais. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Hein. Regardez comment on est chanceux. C'est pas beau de faire un trek là-dedans. Parce que ouais, un jour on a décidé que... Un jour on a décidé de dire... On arrête la connerie, ouais, on se barre. Pas demain, mais aujourd'hui. C'est ça, c'est toujours plus tard. Un jour je vais le faire, ce grand voyage. Un jour je vais le faire. À un moment donné, il faut que tu passes. Je pense que c'est sûr au présent. J'allais te dire, je vais le faire, mais je le fais. Il n'y a pas de bouffe. Il n'y a vraiment pas de bouffe. Allez, c'est parti. Ça, c'est de la route. Ça doit être sympa de bosser là. Pas trop compliqué déjà. Bon, maintenant on redescend dans la vallée. Enfin, quoi, je sais pas, est-ce qu'on descend ou on descend jusqu'en bas de la vallée ou tu penses qu'on va reprendre un chemin qui va remonter plus dans les collines, dans les montagnes? Ouais, pour la Doolittle. Ouais, je pense qu'on va monter sur les montagnes là-bas et Doolittle va être derrière. On va voir ça.